Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose mes trois versions du Dalgona Coffee. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu la tendance du moment. C'est un café qui est réalisé à partir d'une mousse. Et cette mousse, elle est composée de trois ingrédients, du café instantané, de l'eau, du sucre. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Ce sont trois versions que je vous avais proposées sur mon compte Instagram suite à un petit colis que j'avais reçu de la part de Valrhona France. D'ailleurs, merci à vous si vous passez par là. Et c'était suite à l'ouverture de leur site internet valrhonaensemble.fr, un site qui permet de soutenir les artisans près de chez nous en commandant en click and collect ou en livraison à domicile par exemple. Je vous avais aussi donné un petit code promo et j'avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez voir ces trois recettes sur ma chaîne YouTube. Alors vous aviez été plus de 80% à répondre oui, et je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais vous proposer ces recettes sur YouTube. Aujourd'hui, il va y avoir trois versions, donc une version banane pralinée, l'autre version chocolat noir cannelle et la dernière version chocolat dulcé avoine. Alors bien sûr, la recette de la mousse au café, elle reste la même pour les trois versions, mais les trois versions sont totalement différentes puisqu'il y a déjà une version froide et deux versions chaudes. Donc voilà, ça peut être des très belles idées de snack par exemple pour déguster à 4 heures. Faites-vous plaisir. C'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. On verse tout d'abord le café soluble dans un saladier, puis on ajoute l'eau bien chaude. On mélange un petit peu. Et on ajoute le sucre. On va ensuite fouetter à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une mousse de café. Alors veillez bien à avoir les mêmes proportions pour les trois ingrédients, c'est très important. Et à savoir qu'ici, les quantités sont pour un verre. Alors vous allez le voir, petit à petit, la préparation va s'éclaircir et former une mousse onctueuse bien légère. À noter également que la recette ne fonctionne qu'avec du café soluble, ça ne fonctionne pas avec un autre type de café. Notre mousse de café est prête, voici la texture que vous devez obtenir. Vous savez maintenant réaliser la mousse de café, je vais ensuite vous montrer comment faire le premier Dalgona Coffee, dulcé avoine. Tout d'abord, on verse les flocons d'avoine dans un moule ou alors sur une plaque à pâtisserie. On les répartit bien sur toute la surface. Puis l'on vient les torréfier au four à 190 degrés pendant environ 15 minutes. Les flocons doivent être dorés. Puis à la sortie du four, vous les laisserez complètement refroidir. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis dans une casserole, on verse le lait d'amande. On ajoute les flocons torréfiés froids. On mélange un petit peu et on portera à ébullition. Alors à noter que mon code promo Justine20 est toujours disponible sur la boutique valrhonaensemble.fr. Je vous donne plus de détails en barre d'infos, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder pour avoir 20% de réduction sur votre commande. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. Puis après avoir réservé le chocolat blanc dulcé dans un saladier, on filtre le lait bouillant sur le chocolat en pressant bien les flocons d'avoine. On mélange à l'aide d'une maryse pour faire fondre le chocolat et avoir une préparation homogène.
et on passe au mixeur plongeant pour émulsionner un petit peu. Le chocolat chaud Dulce Avoine est terminé. On le verse alors dans une tasse ou dans le récipient de votre choix. Et on répartit la mousse au café sur le chocolat chaud. Alors ici, je l'ai mise dans une poche à douille, c'est plus pratique, mais on peut aussi répartir à la cuillère si vous n'avez pas de poche à douille. Et enfin, pour terminer et pour décorer, on parsème deux flocons d'avoine torréfiés. Il ne restera plus qu'à déguster le chocolat chaud. Et je vous montre ensuite comment réaliser le deuxième Dalgona Coffee, chocolat noir guanara et cannelle. Dans une casserole, on verse le chocolat noir. On ajoute le lait d'amande, la crème liquide, le café soluble et la cannelle. On mélange sur feu doux pour faire fondre doucement le chocolat dans le lait et avoir une préparation bien homogène. À savoir qu'ici, la préparation est bien chocolatée, non sucrée. Alors si jamais c'est un petit peu trop corsé pour vous, on peut éventuellement rajouter un petit peu de sucre en fonction de vos goûts. On porte à ébullition. Puis on retire la casserole du feu et on passe au mixeur plongeant pour émulsionner. Le chocolat chaud est prêt, voici ce que l'on doit obtenir. On verse alors dans un verre. Puis on répartit la mousse au café sur le chocolat chaud. Et on peut saupoudrer un petit peu de cacao sur la mousse. Il ne restera plus qu'à déguster. On passe enfin au dernier Dalgona Coffee, cette fois-ci une version froide façon milkshake à la banane et au praliné. On met tout d'abord la banane coupée en rondelles dans le bol du mixeur, puis on ajoute le lait d'amande, le yaourt nature et le praliné amande noisette. Puis on vient mixer jusqu'à l'obtention d'un milkshake onctueux bien homogène. Voici ce que l'on doit obtenir. On verse alors quelques glaçons dans un grand verre et on verse la préparation sur les glaçons. Pour terminer, on répartit la mousse au café sur le milkshake. Et on peut parsemer un petit peu de pralin pour décorer. La recette est terminée, il ne restera plus qu'à déguster.
Et voilà, mes trois versions du Dalgona Coffee sont terminées. Bon appétit à tous! Mes trois versions du Dalgona Coffee sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me donner des nouvelles dans les commentaires si vous testez les recettes. Envoyez-moi vos photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mes liens sont en barre d'infos. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.